Pour vous faire connaître, vous avez fait les premières parties de Benabar. C'était comment? Ben là, je suis obligé de dire que c'était génial, il est pas loin. C'était génial, Bruno! Je me sentais très, très chanceux de pouvoir assister à ça et d'avoir ma petite place au milieu de son groupe. Ah oui, c'était un peu votre big boss des chanteurs, quoi. C'est ça, c'était le parrain. C'était moi, c'était le parrain. C'est ça. Je me tenais à carreau dans mon coin. J'avais pas le droit de sortir, il me mettait dans un placard, hein, dans un coin de sa loge. C'était, non, c'était à la dure. Hein. Avec des menottes. Évidemment. Et il me fouettait un peu. Et ça vous fait quoi de aujourd'hui au Festival du Verbe être toujours avant lui? Parce que... J'y ai pas pensé à ça. Bah, là, tu la mérites, celle-là. Hein. Eh ben écoutez, c'est le fardeau de ma vie. Je porterai ça tout le temps. Je serai toujours dans son ombre. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, oui. Tant pis pour moi. La vie, c'est la vie. Eh oui.